Bonsoir à tous. Ah. C'est mieux avec le jeu. Oublié de switcher, j'étais sur la config Baldur's Gate. Bref. On reprend Alien Isolation. On était au début de la mission 14. Pas loin du début. Sur 18. Question est, est-ce qu'en 2 heures, on réussira à faire 4 missions? Ça me paraît compliqué. Pas souvenir que ce soit aussi long d'habitude. On est reparti. J'avais fait 3 pas. J'étais parti me suicider littéralement en bas de cet ascenseur. Je suis au sommet du noyau du réacteur. T'as vu quelque chose? Rien. Il y a des androïdes, des systèmes de contrôle centraux et leur routine habituelle. Alors. Faut que j'explore l'étage inférieur. Ils ne sont pas qui. On a un là, un là, un là-bas. Allons mourir en boucle. J'ai mal réglé le son, vous allez devenir sourd. Hop. Ça a explosé de partout, alors si les gens parlent, on va encore rien entendre. Pardon. Quoi? Mais je l'ai pas tué avec l'outil de maintenance. Il a fumé le jeu. Je vais pas me plaindre. J'ai plus que un bol. C'est pas vrai. Et... Mais je m'en fous de ça, je veux. Voilà, je suis mort à cause d'un HF. Super. Putain, j'ai qu'une grenade et 2 bolt guns. Ça promet. Quelque chose.
Je... Une charge de cramer une et je n'en ai que deux. Et il y a actuellement... Non mais c'est impossible. Non, je peux pas la crafter. J'ai oublié, ils sont immunisés. Comment je fais? Faudrait 4 bolt guns hein, et j'en ai que 2. J'ai un revolver, un pompeux. C'était pas aussi long que ça d'habitude. C'est officiel, on finira pas ce soir. Hein. Alors. Il fouille et lui va à gauche. Donc si j'appuie là, est-ce qu'ils m'entendent? C'est un nom. Celui à droite va me boire. Je suis dans la merde déjà. J'ai déjà perdu. Putain. Déteste leur système de reloading.
Enfin. Essayer de tous les tuer. Ils arrivent déjà sur moi. Avec des temps de chargement aussi longs, j'ai le temps de réfléchir à ma défaite. Attendre que celui-là parte vers la gauche. C'est que je sais pas où je dois aller.
pas vu là. On est d'accord. C'est de la triche. C'est de la triche. Ça marche pas. Prochaine mort, je vais essayer de redémarrer mon PC. C'est vraiment trop bizarre que ça mette autant de temps à charger. Merde, le con, j'ai pas attendu.
J'avais dit que je voulais reboot. Ok. J'espère qu'il n'y a plus personne. Pas l'air safe. J'espère que j'aurai pas à revenir et qu'il ripop pas. Oh non, c'est pas vrai. Ouh. He's back.
Can I have a save point? Ah, the sound is... I hear things. J'entends des trucs. Ok, let's go. I see you, little things. Medkit useless. Damn, I can craft absolutely. Can craft a flashbang. It's useless. What use compound B? Qu'est-ce que tu ça? Non. Vaguelette. Only the medkits. Item accède. Ok. When I click on quand je clique sur la touche F pour avoir la lampe torche, ça marche pas. Bref.
we have a strategy. Hop. La stratégie n'a pas marché. Quelque chose d'un peu plus stupide. Voilà, comme ça, si le générateur il explose, je suis mort. Ils sont beaucoup, hein. Et ça explose pas en fait. Ça me dit qu'il y en a un juste devant.
I miss the door? J'ai raté le chemin? Ah putain, c'est là! What? Cela m'embête. Bon. Le bon côté, c'est que je vais économiser du lance-flamme ici. Il était où le trou? Il était là. Hop. C'est quoi la meilleure strat du coup? Faut pas que je me fasse jambon. Du coup, j'avance et je recule pour qu'ils soient tous les deux du même côté. J'aurai jamais assez de lance-flammes pour finir la mission. No power, fuck. Fuck si shit.
Bonjour. Il bugued. Ah non. J'avais une save pas loin, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais il est où le courant Réactiver le courant, réactiver le courant. Ah, c'est là. Peut-être par là, du coup. Gros bouton vert m'a l'air prometteur. Pas ramper dans ce petit trou. Ils étaient deux, les saloupiots. Pas moi. J'hésite.
une très mauvaise cachette ici. Sur mes pas du coup. Pas sûr d'être très motivé. Utilise la vente. En train de revenir. On va trouver une meilleure cachette. Hein. Une meilleure cachette. J'en ai vu une. Il est monté et il est redescendu. Il est monté, mais l'autre, il y en a un là. Sérieux? Et shit.
idée. Je sais pas où je vais. J'ai pas la bonne route. Oh oh, empty. Ah. J'ai besoin de mourir 50 fois de plus pour le HF de mourir à coup d'alien. I didn't see it. Je n'ai rien lu. Vous savez quoi? On va attendre que la tempête passe. Voilà. Je me disais, j'entends encore des bruits de pas. Mauvaise nouvelle. J'ai plus beaucoup de lance-flammes.
est monté dans la vente. Mais tout à l'heure, je suis ressorti. Et il m'a sauté dessus direct. Ça pue, il commence. Ah, il s'est barré. J'aurais dû. J'atteins le point de sauvegarde de la salle d'après. Ce sera gagné. J'entends rien, mais j'ose pas sortir. Quoi? C'était où? À mon avis, je peux détruire le nid. Ah, j'ai vraiment plus de sang, j'ai vraiment plus beaucoup de lance-flammes. Les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que non, non. Zeris. Ils ont ripopé. Je suis mort.
Ricardo. Je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découple et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Ouais, je peux pas en tuer 4. Ça m'avait usé 2 bolt guns et la moitié de mes balles de revolver. Et la moitié de mes balles de pompeux, donc... Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. S'ils voilà pouvaient tous arriver du même côté, ce serait gagné. Si je les découpe, décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher.
pense pas que ça marche. Ah, quoique. Why? Is coming. They are coming. Oh, I'm dead. So dead. Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Tes circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Au revoir.
Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Des circuits de surcharge d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Qui arrive à gauche, il va aller sûrement sur le tellement de poignées à activer. Pardon ? Non, sérieux? Là, j'ai plus que 2 balles! C'est dur. Ricardo, je peux détruire le nid. Ripley, t'as assez risqué ta vie pour aujourd'hui. Je peux allumer tous les noyaux, les surcharger et lancer la purge du réacteur. Ça détruira tout ce qui se trouve à proximité. J'essaie pas de te faire changer d'avis, Rip. J'aimerais juste que tu t'en sortes indemne. Voilà ce qui va se passer. Je peux pas crafter ces trucs-là. Les charges d'urgence envoient l'excès d'électricité dans les batteries du condensateur local de chaque tour. Si je les découpe et décharge le système, l'évacuation sera externe. Le nid sera en plein dedans. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Trouve juste un truc où t'accrocher. Je peux pas... Je peux pas décrafter des items. Hein.
S'il me voit d'ici, c'est de la triche. Genre lui là, comment il m'a vu? Comment il sait? J'ai pas rechargé, il y a déjà le suivant. Troisième et le quatrième. Super. Je suis vide. Et je suis vide. Putain, j'ai plus rien. T'es pas dans le caca pour la suite du jeu. Plus de molotov, plus de flamethrower. Des scraps que je n'ai rien à faire. Faudrait que je trouve un bar. Super. Ça marche les flares sur les robots ou pas? Là y a rien. Là y a rien. Ah. Oh. Oh punaise. Putain, quel gâchis. Je les aurais pris en y allant. Et j'aurais pas eu le problème en revenant. Maintenant, mon problème, c'est que j'ai plus de lance-flamme. J'ai plus de molotov. Donc, quand on va combattre les aliens, ben, ça va être... Ça va être pas amusant.
dit, je sais plus comment ça marche. Alors, 31, 20. C'est comme ça. Plus facile sans robot à nous courir après. Direct the po. What the fuck? Ok. Je sais pas où est le prochain bouton. Je vais mourir. Pas mort électrocuté. Oui. 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 Ah. Oui. Up, down, what? Purge. Ah. Ricardo, je vais purger le mur. Tiens bon. Oh.
Ricardo. Ça a pas marché. Il en reste encore dans la station. Je suis désolé, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal, Rip. S'il te plaît. Pitié, donnez-moi un checkpoint. Histoire que je sois... Que je sois bloqué parce que j'ai plus de lance-flamme. J'ai vraiment hâte. Des munitions, par pitié. Crossfinger. Please. Wait a minute. Ok. We have a chance to be softlock. On a une chance d'être bloqué si je clique yes. Ce que je viens de faire. S'il y a beaucoup d'aliens après, à faire fuir au lance-flammes. J'avais pas ouvert ça. Super. Mais... Pitié. Visiblement, j'avais pas ouvert. Ah.
Un générique. Quoi? Un générique. Bah. San Cristobal Medical Facility. Je sais plus. Les marshals coloniaux recevront des rapports de tout abus du système ou de passagers en état d'ébriété. J'ai même plus. Plouf plouf. Je sera toi que je prendra. Ok. On a retrouvé pas mal au pif. Ça dit pas les stations. Ah. C'est bien, je pensais qu'on aurait le temps de finir le jeu et on a fait une mission en quasiment 2 heures. Get to Sevastopol. Stopol, Skimet Tower, Skimet Tower. Non, je suis parti. Je suis pas là. Pas le code.
le centre médical. T'es aux communications? J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est la Nessidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok. Là, j'ai déjà tout pris. Allonge-toi. What? What? Je me rappelle d'ici. C'est là où on est mort étouffé. Oh super, une balle. Revolver. Ouais, ça a vraiment foutu le bordel ici. Du coup maintenant je peux fouiller. Alors. Hello. Ah! Oh putain. Hello Fred.
Well, actually, I am really low on D'après ammunition. la vérification du système s'est bien passé. Certains conduits doivent être déroutés, comme ils n'arrêtent pas de me le dire. On ne peut pas faire grand-chose tant que le Nostromo est en l'air. Parker parle déjà des feuilles d'émargement. Mais je sais que Ripley veut lui rappeler l'unité de charge secondaire. Pour le moment, je vais rester en dehors de ça. Ils savent ce qu'ils font. Dallas, capitaine du Nostromo, terminé. Actually, I was hoping doing at least one or two mission, and actually I did only one. I know this place. We die a lot here. Please reset the synthetic. Okay. That's okay. The save reset everything. Hop. Shit, I didn't see the craft.
sur nos systèmes. Appuie sur le bouton. Et toi? Au revoir. Goodbye, Ripardo. Nope. Ricardo, tu m'entends? À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. Ok. I save here and I will just rush like yesterday and I will go to sleep. De la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. De Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Nix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Merde. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Nix s'est pris un pain. Donc, je sais pas. Peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si je doute d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je vais rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous faut trop peu pour ce genre de plan. I wanted to go back to save. Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de l'Anécidora en ligne. Les portes devraient s'activer et peut-être les lumières. Aucun signe ne parle. Ah. Salut.
Merci d'avoir remis le courant. Louise Marlowe. J'ai évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. For me, it was Taylor. The bad guy, but with Marlo. I miss something. I don't reload. Oh, fuck. I reload all my weapon except the flamethrower. And I reload, it's useless because I can't save. Okay, so I stop here. Tomorrow, Guillaume will be here, so it should be some Baldur's Gate. And we are back to Alien Isolation on Wednesday. So, I will die. It's a prevision. I will die 5 minutes after starting the stream, because I will forget to reload my my flamethrower. I'm pretty sure about that. So guys, have a good night or a good day, and see you tomorrow.